Bonjour à tous, aujourd'hui on est au Marais Poitevin, donc on va dire 40 km à l'est de La Rochelle. On va partir pour une petite aventure en autonomie, en kayak. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va aller. Ça va être la première fois qu'on le fait. Moi j'ai fait une fois du kayak il y a 20 ans, plus de 20 ans. Donc aucune notion. J'ai juste regardé sur YouTube comment on tient sa pagaie. Donc ça va être un gros délire. Soon, je sais pas comment il va se comporter. Il est monté une fois dans le kayak, je l'avais gonflé à la maison. Donc ça n'a rien à voir avec un kayak qui flotte. Je sais pas si vous l'entendez qui pigne un peu. Il est en train de trembler là, il se dit il a fait toutes ses affaires, il va partir sans moi. Enfin, j'ai commencé à faire mes affaires. Il faut que je finisse et que je fasse mon sac. Donc on part en aventure. J'espère que ça va aller, le temps s'est dégagé un peu là, c'était brumeux ce matin. Normalement ils annoncent 2 jours de beau temps. Par contre c'est 5 degrés, 4 degrés le matin, 4-5 et 9-10 la journée. Donc va cailler un petit peu, hein, mais rassurez-vous, on a déjà fait du bivouac avec Soon en hiver, il n'y a pas de problème, c'est un berger allemand, il ne faut pas oublier. Il a un double poil, il fait moins 20 en Allemagne l'hiver, donc voilà, il n'y a aucun problème. Et puis j'ai du bon matos, donc voilà, on va se tenir au chaud. Je continue de préparer un peu le matériel, je vous présente ça en speed parce qu'il faut qu'on y aille, et puis on décolle et on espère que ça va aller. Hein. Bon, en tout cas, j'ai filmé moi. Hein. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai pris un peu de temps à préparer mes affaires. Je veux être sûr de rien oublier. Donc, on fait ça en speed, hein, si vous voulez bien. J'ai essayé de prendre le strict nécessaire. Donc, on a le kayak gonflable. On a pris une bâche pour faire un tarp. Évidemment, hein, je me suis équipé, j'ai pris des changes, absolument, hein, parce que si on tombe à l'eau, et ça, c'est ma plus grande peur, si on tombe à l'eau, voilà, je sais pas à combien elle est l'eau, mais elle doit forcément être à 4-5 degrés aussi, donc il n'y a pas le droit à beaucoup d'erreurs, quoi, hein, faut se réchauffer vite fait. Voilà, c'est la seule chose qui m'inquiète un petit peu, mais pas pour Soon, puisque lui, il est allé se baigner tranquillement hier matin, il faisait 2 degrés. Oh, lui, il n'y a pas de problème. Mais moi, par contre, oui. Donc, j'ai pris l'échange, j'ai pris, donc j'ai dit kayak, tout ça. Petite boîte. Viens là-bas. Petite boîte étanche. Donc, merci Nico, hein, si tu regardes la vidéo. Tu vois, elle va bien servir pour tout le matériel électronique. J'ai pris de la bouffe pour moi, de la bouffe pour Soon. Hein, et puis tout ce qu'il faut un peu pour bivouaquer, hein, hache, scie pliante, couteau, tout ce qu'il faut pour l'hygiène. Je pense pas que je vais les mettre parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop de courant, mais gilet de sauvetage pour un pour Soon et un pour moi. J'ai trouvé ça pour Soon. C'est la marque Roughwear, hein, ils font des bons trucs. Hein, moi j'ai son harnais, sa laisse, tout est en Roughwear, hein. Je suis pas sponsorisé, hein, mais c'est une bonne marque. Une pelle, bon bah tout ce qu'il faut pour cuisiner, des bâches pour poser par terre, s'isoler. J'ai pris une couette pour Soon quand même, hein, pour qu'il soit à l'aise ce soir. Oui, parce qu'on fait la journée, on dort et puis on a une autre journée. Et peut-être même une autre journée encore, on va bien voir comment ça se passe. Et j'en ai pris une pour le kayak, normalement ces griffes ça devrait aller, je me suis bien renseigné en l'achetant. Bon, je rajoute une surcouche en protection quand même au cas où, parce que c'est pas donné, hein, c'est pas donné un kayak gonflable. Et sinon, hop, évidemment, petite trousse de pharmacie, hein, ça les gens la plupart du temps ils oublient, mais tu te blesses dans la nature, t'es tout seul. Bon courage, donc ça c'est un des trucs les plus importants. Et des sacs. Sac étanche, alors forcément bah, ce sera toujours trop petit, je sais pas encore comment je vais faire. Faut juste que je fasse mon sac. J'ai pris celui-ci et j'en ai pris un qui est pas mal, hein, vous savez, un petit sac de sport.
sacs de sport et on va bien voir. On va bien voir ce qui passe, hein. À mon avis, tout va pas passer dedans, ça va être problématique. Mais bon. J'ai fait en sorte de prendre quand même quelque chose de la contenance. Hein. Vous voyez ? Il y a pas mal, hein. Je sais pas c'est combien de litres. 60 litres, ouais, bah il a l'air de faire bien 60 litres. J'essaie de caser tout ça dans mes sacs, je gonfle le kayak et puis on est parti, hein, parce que c'est pas le tout, mais ça prend du temps. Donc je me dépêche. Bon bah voilà, j'ai fait mon sac. Mon sac est fait ! Mon sac est fait ! Mon sac est fait ! Il y a plus qu'à gonfler le kayak, prendre les affaires et puis partir, hein. Soon a peur que je l'abandonne. Le sport. Mais je veux pas t'abandonner, mon pote. Tu vas venir avec moi. On va bien rigoler, tu vas voir. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Oh. Oui. Bon, allez, hop, c'est parti. Là, je vous jure, j'ai littéralement peur de tomber à l'eau. Là, c'est la partie compliquée. Compliquée. Allez, faut bien se lancer. Soon, tu attends, sage. Tu as été très sage. Tiens, regarde ce qu'il a, papa. Merci. Oui, c'est bien ça. Sage. C'est très bien, Soon. Bon, c'est le moment où il faut pas faire le mariole, Soon. Oh, c'est pas mon style. Alors, on fait comme à la maison, tu te souviens? Oui, c'est bien. Tu vas la coucher. Oui, très bien. Très bien, Soon. C'est normal que ça va pas être du premier coup. Allez, allez mon bonhomme. Oui, c'est bien ça. Bravo, couchez Soon. Tu restes là, couche. Je monte dedans, ne t'en fais pas. Bon, à mon tour maintenant. Soon s'est extrêmement bien débrouillé. Je suis fier de toi, c'est très bien Soon. J'ai... pas bouger. Mais on va couler. Non, ça va aller. Non, coucher. On va commencer par coucher. Bon bah écoutez, c'est bon hein. Pas bouger. Non, pas bouger sous. Non. Soon s'est couché. Allez. Ah. C'est très bien. Très bien. Voilà, on est bien là. Ah bon ? Regarde. Tu vois, ça bouge. Non, c'est bien. Je suis là. Regarde, c'est bien. Bon, je dois pas trop avoir la technique parce que ça fait mal au bras et je vais pas super droit. En fait, je suis pas installé au mieux, mais la priorité à Soon. Je suis fier de toi, mon loulou. Ça va, mon bonhomme ? Je suis pas très rassuré. Ah ouais, je sais que t'es pas rassuré, mais franchement, t'as eu une demi-heure pour t'habituer, regarde, t'es dedans. C'est quand même assez incroyable, hein. Franchement, bravo. Merci. J'essaie de faire au mieux. Oui, je sais que tu fais ce que tu peux. Et je t'en remercie et je te félicite. T'inquiète. Ça se voit qu'il a peur un peu quand même, il tremble. Pas s'habituer comme ça tout de suite. Hein. Là, je vois le soleil qui baisse.
J'ai découpé aucun bois, j'ai pas monté ma tarpe. Ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu. Je vais faire demi-tour parce que... je pense que ça lui en fait beaucoup et pour une première expérience, c'est déjà bien. Hein, parce que le temps que je retourne déjà au camion... ah, la nuit va tomber rapidement. Et pour une première expérience, c'est déjà bien. Hein. On ira bivouaquer un autre jour. Mais bon, je le vois un peu trembler. C'est déjà très très bien. Je suis déjà extrêmement content. Il tremble, ça lui fait déjà beaucoup pour une première journée. Ah non, couché, on s'est pas retourné. Oh oui, c'est bien. Oui, on s'est pas retourné d'ailleurs. Objectif principal de la journée accompli. C'était surtout ça en fait. Habituer Soon. Ah non, pas encore les 11. Habituer Soon et puis... puis voilà. On avance vite là. Ça va toujours, bonhomme? Moyen. Oui, ben on va rentrer, t'inquiète pas. La tête de mec pas rassuré. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merde. Merde. Oh là là. Ah, Sunny va bader là. Sunny, attends. Attends. Oh, bien visé, Flo. Bien visé. Extrêmement bien visé. Sunny s'est couché. Oh non, assis. Ou assis, comme tu veux. C'est bien. Soon. Couché, Soon. Non, couché. Soon, on va pas tomber à l'eau la dernière minute, hein. Ouais, c'est vrai, ce serait dommage, hein. Tu attends. Allez, saute. Ouais, super, c'est très bien, Soon, ça. Oh mon Dieu. Putain, on n'a pas fini à la flotte. Ça y est, on est rentré. Ah, c'était physique, hein. C'était physique, hein. J'ai mis une heure à peu près à nettoyer, sécher, ranger les affaires. Et une petite demi-heure pour manger vite fait parce que ben, j'avais pas mangé depuis ce matin. Je m'étais concentré sur Soon. Enfin voilà. Donc là,
Soon est content d'être rentré sur le plancher des vaches. On se fait une petite balade d'une demi-heure hein, à peu près. Hein, voyez, il n'y a pas. Le soleil il est en train de se coucher. Donc on va pas traîner trop. En tout cas, c'était une expérience géniale. J'étais assez ému. Ça m'a fait plaisir. Et je voudrais que vous mettiez des gros pouces bleus et des grosses félicitations pour Soon parce que ce qu'il a fait, je trouve que c'était extraordinaire. Oui, je le dis, je pèse mes mots. Tout à fait d'accord, je suis extraordinaire. bah oui, mais tu m'étonnes que t'es d'accord, toi. Il est pas avare de compliments, celui-là, de toute façon. Hein. Mais en tout cas, je m'étais renseigné avant de le faire, il y a plusieurs mois, et il y a beaucoup de chiens qui arrivent pas. Quelques-uns s'en sortent très bien, mais globalement, c'est pas facile. Et lui, il lui a fallu une demi-heure, malgré du stress et de la peur, ce qui est tout à fait normal. Une demi-heure pour qu'on largue les amarres, si je puis dire. je trouve que c'est incroyable. J'étais très 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 fier de lui. Très fier de lui, c'était pas facile. Bon, faut savoir que ça bouge énormément, hein, énormément. Donc quand tu connais pas ce qui t'arrive, c'est tout nouveau. Voilà, il tremblait un petit peu, couinait un peu, mais pas trop encore. Et on a fait un petit peu de surplace. Et puis au bout d'une demi-heure, on est parti. Et il est resté couché. L'objectif a été accompli. On n'a pas chaviré en allant et en partant du bateau, ni quand on était dedans. Donc là, franchement, c'était déjà un objectif pas facile. Mais ça l'a fait, c'est cool. J'ai pas eu besoin d'utiliser mes changes. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai décidé qu'on ferait un bivouac dans une autre vidéo. Tout simplement parce que ça lui fait beaucoup. Il était quand même pas très très bien, donc j'ai trouvé que c'était bien de faire une journée là, une première séance comme ça de kayak. Ça me paraissait déjà pas mal, hein. Pas lui en demander trop non plus. C'est déjà très très bien ce qu'il a fait. C'est beau, hein. Moi, je kiffe. Mais donc, ouais, on se fera un petit bivouac très rapidement. On prendra le sac, on ira en forêt. Et je veux pas trop le brusquer non plus, hein. On s'est fait une après-midi kayak. Ça lui suffit. Je vais vous dire, il s'est pas fait prier. Hein. Mais c'est peut-être sur vidéo, on verra. En tout cas, il me restait 1%, donc je sais même pas si ça filmait encore. Je lui ai dit, saute. Voilà. Il a sauté du bateau, il s'est pas fait prier. Il était là comme un taré. Il était heureux. Mais voilà, encore une fois. Grosse papate bleue et beaucoup de bravo pour mon petit Soon, parce que je suis super fier de lui. Bon, on vous laisse, on finit la balade tranquille. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une petite prochaine aventure. Très bientôt. Salut !